bonheur, c'est ma passion. Dans l'effort, tu es si belle. Le désir nous donne des ailes. On est mort au-delà des frontières, jusqu'au bout. Mathilde, pourquoi tu la fais pas la compétition? T'es une super cavalière. Écoute, bientôt j'aurai même plus le temps de faire du sport. Entre les paperasses, les négociations avec les sponsors, les banquiers. Notre ex to be s'envole vers les hautes sphères. Oui, et ben tu crois pas si bien dire. Figure que toi, j'ai engagé un jeune to be. C'est un peu tout drôle de laisser ma place, ma complicité avec vous, tout ça. Mais on est toujours là, Mathilde. Oui, enfin j'ai quand même le mauvais rôle. Je vous engueule si vous êtes en retard, je vous engueule si vous ratez une compétition. On te verra toujours avec les mêmes yeux, cher président. Mais tu resteras toujours notre Toubib favori. Alors raconte, il est comment ce nouveau Toubib? Vous verrez. Ah, mystérieux boule de gomme. Ouais. Je vous présente notre nouveau médecin, ou plutôt devrais-je dire notre nouvelle doctoresse, Élodie. Bonjour. Bonjour. J'ai un petit peu mal au dos, je crois que je vais prendre un rendez-vous. Bienvenue avec APCL. Merci. Je crois que je vais me plaire ici. Mais attends de voir comment je soigne, toi, avant de m'accueillir avec ton enthousiasme. Je veux bien être le premier cobaye. C'est quand tu veux. Benoît. Benoît. Virgule. T'as vu ça? Non. Je te remercie pour hier, c'est vraiment très sympa ton accueil. Y'a pas de quoi, c'est la moindre des choses. C'est rassurant de savoir que celle qui dirige l'académie est une femme. J'aurais pu tomber sur un financier ou un homme d'affaires qui connaît aussi un sport et encore moins la médecine. Au moins là, on parle le même langage. Ah bah de ce côté-là, ça devrait aller. Tu sais, ma dernière année, j'ai beaucoup étudié la médecine sportive. Tu verras, j'ai plein de projets. Le projet? Ouais. Comme la médecine, c'est pas uniquement après les accidents, je pensais programmer tout un truc de prévention. Enfin, ça me semble passionnant. Mais faut qu'on en parle avant. Tu sais, l'académie, c'est une grande famille. Tu vois, on discute, on prend les décisions ensemble. Enfin, eh ben on discute quand? Il faut... Faut déjà que t'apprennes à connaître les sportifs. Bah ça me semble facile, ça devrait aller vite. Bon, on se bloque une réunion.
En ce moment, je suis débordée. Mais je te promets, dès que j'ai un moment, d'accord. Je te préviens, Mathilde, si tu m'oublies, je te relance. Allez, viens. Salut. Mais qu'est-ce que t'as? C'est une infection ou c'est le tétanos? Non, c'est rien, une éraflure. Mais passe à l'infirmerie. Pour ça? Ah, j'aurais pas manqué à aller te voir dès le premier jour. T'as l'air inquiet. C'est l'alcool 90 ou moi? Je sais plus. Bah dis donc, t'as l'intention d'ouvrir un hôpital de guerre ou quoi? Ah non, c'est pas moi qui ai commandé tout ça. Sinon j'aurais pris des trucs un peu plus modernes. Ah, pourtant les soins de Mathilde m'ont toujours paru corrects. Ah, sûrement. Sûrement. Mais la médecine évolue vite, tu sais, si on étudie pas en permanence, on se rouille, c'est comme tout. Bon bah, faut que j'y aille. Ouais. Traînement. Mm-hmm. Eh bien, repasse demain. Je pense pas. Je te le change. Merci. Allez, 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 sérieux. On se calme. C'est bon? C'est bon. Alors, vous vous servez tous beaucoup de vos muscles et vous savez parfaitement les mettre en action. Le seul problème, c'est que vous ne contrôlez pas toujours le relâchement. Entre deux entraînements, un muscle a besoin d'une période de reconstruction qui passe par la nutrition et le repos. Peut-être aussi qu'à nous préparer des boissons revitalisantes. Il t'arrive d'avoir des petites faiblesses, Benoît? Tu plaisantes? T'as l'air inquiet. Moi? Jamais. Alors maintenant, on va progressivement travailler du bas vers le haut pour arriver à un relâchement total du muscle. Voilà, c'est bon. Très bien. Concentration, Benoît. T'as vu? J'ai renouvelé le stock. On a pour quelques semaines, là. Ah oui, oui, j'ai vu ça. Voyons, c'est bien, t'as réorganisé. Oui, j'ai changé un peu. Ça va? Ah, c'est mieux, c'est mieux. Bah, puis maintenant, t'es chez toi, hein. J'ai plus à y mettre les pieds. Ah, dis-moi, j'ai vu ton entraînement, tu sais. Non, c'est intéressant, mais j'aimerais bien quand tu prends ce genre d'initiative que tu m'en parles avant. D'accord, mais c'est un simple exercice qui comporte aucun risque. Non, ça, je sais, y a aucun risque, non. Mais tu sais, l'équilibre des sportifs est fragile. Basé sur des méthodes de travail qui ont été longues à mettre sur pied. Enfin, zimolo, quoi. Hein? Qui veut voyager loin ménage sa monture, Elodie? En fait, t'as eu le temps de parler un peu à Elodie? Elle a pas froid aux yeux, celle-là, hein? J'ai l'impression qu'elle te fait un peu peur, non? Peur d'une fille, moi? Tu plaisantes? Oh. Dis donc, vous feriez mieux de vous entraîner au lieu de bavarder. Je vous signale que la compétition est dans 2 semaines. On va commencer par le savoir, tu nous le répètes tous les matins. Vu vos résultats, apparemment pas assez. Vous voulez concourir en touriste ou avoir une chance de ne pas être totalement ridicule? Mais qu'est-ce que tu fais? Belle luxation, tu peux pas louper. Hein. Tu vas la remettre en place? Oui, tu préfères avoir un bras qui pendouille. Tu veux que j'appelle Mathilde? Non, non, c'est bon, je te fais confiance. Passe-moi l'écharpe, s'il te plaît. Tu pourrais faire gaffe, non? Bah voilà, c'est fini. Attends, on va faire un bon bandage. C'est fini, hein? Mais dis donc, c'est lui que j'ai rien vu. Poussez-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, ça va, une petite luxation, rien du tout, c'est bon. T'as pas trop mal? Non. Qu'est-ce que c'est que ça? Non mais, je laisse, je vais le refaire. Là. Oh. Qu'est-ce que ça veut dire, Mathilde? Quoi? Non mais d'abord, tu ne trouves jamais un seul moment pour parler de ce que je veux faire ici. Et maintenant, tu te mets à refaire un simple bandage que je viens à peine de finir, et ça sous les yeux des sportifs. Mais il était trop serré? Et alors même s'il l'était, c'est pas à toi de le faire. Écoute, je suis désolée, je voulais pas te vexer, vraiment. Je suis médecin, Mathilde. Si tu cherches une assistante, il vaut mieux que je m'en aille tout de suite. Écoute, arrête, le prends pas comme ça, je te dis, j'étais désolée.
On a besoin de toi, reste. Ouais, alors tu m'expliques en détail la place que tu me laisses dans cette académie. Ce qu'il faut que tu fasses dans l'académie. Maintenant ? Oui, maintenant, il me semble que c'est l'idéal, non ? Demain si tu veux. Quoi demain ? Non, demain, j'ai un quart d'heure, dans l'après-midi, je le bloque et on règle le problème, ok ? Demain. Ouais. Non, demain, franchement. Mieux ton épaule ? Impeccable. Dans deux jours, je remonte à cheval. Alors ça, il n'en est pas question. Tu vas mieux, mais mets ça dehors. Ouais. Merci. Fred, ça va mieux avec Mathilde ? J'ai l'impression d'avoir accepté le seul poste qu'il fallait pas prendre à l'académie. À chaque initiative, j'ai l'impression de lui couper un dos. Évidemment, ça limite le nombre. Tiens, viens. J'aurais que tu m'aides à pousser ce bureau. C'est sûr que je peux remonter à cheval en 3 semaines. Interdit. Allez, c'est pas cool. Je t'interdis même les poursuites à cheval, à TD dans les westerns. Avec les petits indiens. Et puis de toute façon, c'est un peu de temps de libre, il y a mieux à faire que de regarder la télé. Ah. Ouais. Et quoi, par exemple ? J'arrive. Bah écoute, viens tout de suite parce que j'ai un rendez-vous juste après toi. Tu me suis ? Ouais. Voilà, et je voudrais pouvoir faire un bilan complet physique de tous les sportifs. Et travailler en relation directe avec certains labos pour l'obtention de tout nouveau produit. Voilà, enfin non, pour finir, je voudrais un téléphone portable. C'est tout ? Oui. C'est toi. Ah, c'est toi. Ah, c'est toi. Quoi faire ? Bah, c'est toi. Alors voilà, là tu as le téléphone, là tu as le chéquier de l'académie, et puis je vais appeler la banque tout de suite pour qu'on te donne ma signature. Bon allez, attends. Attends quoi? Tu veux ma place, tu la prends, ça ira plus vite. Ah non mais c'est vraiment symptomatique des nouveaux patrons ça. Ils voient arriver une petite jeune, pensent que leur autorité est menacée, alors là ils ont un mal fou à déléguer. Hein. Enfin, il y a une marge entre déléguer et donner les pleins pouvoirs, non? Tu te rends compte de ce que tu demandes quand même? Ah oui, oui, oui. Rien de plus que ce que les grands établissements comme l'UREPS sont depuis des années. Ah, mais l'académie n'a pas les moyens de l'UREPS. Alors ton catalogue d'idées est fascinant, non, vraiment passionnant, mais devra attendre un peu. Attendre quoi ? Attendre que tu prennes de la bouteille. Est-ce que tu as la trouille que quelqu'un fasse mieux que toi ? La trouille ? Moi, la trouille ? Non, c'est plutôt toi qui devrais avoir la trouille de faire moins bien. Ça veut dire ? Ça veut dire qu'on reparlera de tout ça plus tard, quand tu auras fait tes preuves en tant que simple médecin à l'académie. Et dis-toi bien qu'il y a plein de jeunes toubibs qui rêveraient d'avoir ta place ici. Alors maintenant, excuse-moi, mais j'ai un rendez-vous. Allez, bye. Tu sais, je me demande vraiment ce que je fais ici. J'ai aucune marge de manœuvre, elle me laisse prendre aucune initiative. Ouais, ça finira par se tasser tout ça. Non mais c'est vrai, elle n'arrive pas à quitter son boulot parce qu'elle sait pertinemment qu'elle s'éloigne de vous. C'est vrai que le bon côté de l'académie, c'est d'être avec vous. Peut-être même surtout avec toi. Mathilde est une fille formidable. Faut lui laisser le temps, c'est tout. Combien ? 1 an ? 2 ans ? J'ai pas cette patience-là. J'ai des idées à défendre, moi. J'ai des projets à entreprendre. Calme-toi. Ça va s'arranger. Je te jure. J'ai pas envie de me calmer. Mes idées, j'aime bien les défendre jusqu'au bout. Alors avec Mathilde, ça passe ou ça casse ?
Voilà. Je crois pas qu'elle risque de se casser la gueule. Mais non, au contraire. Ça renforce son sens de l'équilibre. Plus elle travaille, plus elle est fort et puis elle laisse sur son cheval. Tu nous tends un saut? Voilà, là t'as une petite branche juste devant toi. Essaye. Ben voilà, tu vois, on dessous, on a sauté des grands obstacles sans problème. Ah ouais, c'est pas mal. Ah, le problème, c'est que pour la compétition, on va être obligé d'enlever son bandeau. C'est pas homologué. Je pourrais essayer, moi aussi. Ouais, c'est promis. Non mais je rêve, hein. Non mais vous êtes complètement dingue. Tiens-moi ça. Non mais t'as pété les plans, toi, à 2 semaines de la compétition. Hein? Pourquoi pas faire du bâton à roulettes sur la falaise pendant que tu y es? Mais attends, Mathilde, c'est génial pour l'équilibre. Hop, j'imagine très bien ce que la spécialiste des médecines modernes a pu te raconter. Tiens. Là, je pars en ville. Mais je te vois à 14h précise dans mon bureau. Alors là, ça passe ou ça casse. Notre réunion d'hier n'a servi à rien alors. Je croyais t'avoir dit pas d'initiative personnelle sans mon accord. Écoute Mathilde, il est hors de question que je te demande l'autorisation à chaque fois que je fais une piqûre ou mettre un pansement. Si tu veux un vrai médecin, tu lui laisses faire son travail. Ah, parce que ton travail, c'est de faire galoper mes sportifs sur des falaises et yeux bandés. Bien sûr. Non, ce n'est qu'une méthode parmi tant d'autres pour améliorer leur performance. Mais bah tes méthodes, elles restent dans tes bouquins. J'en veux pas à l'académie, tu comprends ça? Écoute-moi bien. Tu sais comme moi qu'on peut améliorer l'environnement médical. On en a parlé hier, le débat est clos. C'est pas parce que tes méthodes sont vieilles de 10 ans... Je ne te permets pas. L'académie n'est pas un laboratoire d'expérimentation médicale et mes sportifs ne sont pas des cochons d'Inde. Alors si t'as mieux à faire, te gêne pas. Ça va. Je vous signale que les résultats de vos derniers entraînements sont plutôt très très moyens. Ces derniers temps ont été un peu mouvementés à l'académie, ça a dû nous... Alors si à chaque fois qu'une mouche passe, ça vous perturbe, alors là, j'y peux pas grand-chose. Alors qu'est-ce qu'on fait pour la compétition? Ah, je suis désolée mon petit Benoît, toi t'es hors course. Quant aux autres, je ne vois qu'une solution. On y croit et on s'entraîne. T'as vu? Même pas un mot sur Elodie. Elle est maligne, Mathilde. Elle connaît l'académie mieux que personne. Et tu vois, elle a fait ça pour couper court aux rumeurs. Ce qui s'appelle de la reprise en main préventive de l'académie. Mais je suis sûre que même Elodie aurait préféré des critiques sévères plutôt que ce silence. Tu crois qu'elle va continuer? J'en sais rien, mais j'espère qu'elle va se s'agir. Allez. Allez. Je suis désolée pour hier. On fait la paix. C'est vraiment tranchante quand tu veux, toi. Hein? Bah, on fait qu'à ta tête aussi, hein. Non, j'en fais pas qu'à ma tête, Mathilde. Je fais mon boulot. T'as vraiment l'impression que t'as peur que je te pique ta place. Je crois qu'il faut trouver un moyen de désamorcer la bombe. Non, mais attends, si j'en parlais hier, c'est que je plaisantais. Ça m'inquiète pas du tout. Tu me lis pieds et poings comme ça. Ah, parce que toi, tu appelles ça lier pieds et poings. Non, ce sont simplement les règles de base de l'académie. On va appeler le service de déminage, je sens que ça va être terrible. Mais ces règles, on peut les améliorer, tu le sais très bien, et tu m'empêches ne serait-ce que d'essayer. Je commence vraiment à comprendre pourquoi. On peut savoir? Oui. Est-ce que t'aimerais pas qu'on dise que t'as des lacunes en tant que tout vivre? Pile la phrase qu'il fallait pas dire. À côté tact, elle est pas très douée, celle-là. T'as trouvé ton alter ego, tiens. Merci. Si tu crois que ton petit savoir-livresque m'impressionne... Mon petit savoir-livresque, comme tu dis, aurait bien des choses à t'apprendre. Par exemple, que tes méthodes sont légèrement démodées. Ah oui, donne un exemple. Ah mais rien de plus simple. Même ici, regarde. Aucune mesure de sécurité sur le terrain en cas d'accident. Aucune liaison radio avec l'académie. Tu vois une liaison satellite avec ton infirmerie pendant que tu y es? Pourquoi pas.
Même tes bombes ne sont plus réglementaires depuis longtemps. Ah oui? Et qu'est-ce que t'en sais? Tu t'y connais en équitation comme moi en trombone à coulisses. Je suis désolée de te décevoir, mais je crois que je peux faire aussi bien que toi. Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Attends, je crois qu'il faut les suivre, là. Ça risque de mal se terminer, cette histoire. Ouais, j'ai pas remonté à cheval pendant 3 semaines, et là, 4 forces majeures. Ouais. Je crois que j'ai raison, on va faire une équipe de choc toutes les deux. Si on se tue pas avant. Bon ben. On n'a pas que ça à faire. Hein. Ouais, il paraît qu'on a une compétition nous. Ouais, allez, on y va. Allez, allez. Yeah, yeah. Je rêve. Ah, ah, ah.